Salut à tous, j'espère que vous portez bien. En vrai, cette déclaration à laquelle je suis en train de faire là, c'est mon analyse selon un peu ce que je vois et par rapport au vécu. Alors, les gens sont en train d'aujourd'hui de vouloir perturber, voire même fermer la bouche entièrement à une personne qui est graciée par rapport aux paroles du président de la transition. Alain Claude Billy Binzé, on lui reproche, ce que nous lui reprochons, c'est sa loyauté indéfectible vis-à-vis de Ali Bongo Ondimba. Et à chaque fois qu'il y avait des conférences ou il y avait des scandales, il avait ce talent-là de pouvoir venir éteindre le feu sans pour autant verser de l'eau ou attendre de la pluie. Alors pourquoi Billy Binzé à ce jour n'a pas le droit de parler? Les gars, n'oublions pas que par le passé, on avait Omar Bongo à la tête de notre pays. Et il y avait un certain André Baobab. André Baobab était l'une aussi des pièces maîtresses, voire la pièce importante du puzzle qui pouvait maintenir aussi ce régime-là en place pour nous mater, qui nous privait aussi de nos libertés d'alternance. Alors pourquoi nous avons eu le courage de pardonner M. André Baobab jusqu'à le soulever jusqu'en l'air avec tous les vices qu'il avait commis par le passé? C'est parce qu'il est venu demander pardon. C'est bien, le pardon est divin, mais on n'oublie jamais le passé. Mais Billy Binzé aujourd'hui, il fait aussi partie des personnes aussi qui méritent aussi d'avoir la parole. Parce que nos parents qui nous ont mis au monde étaient d'abord jeunes avant. Nous, ils ont fait comprendre que, petit, mon fils, le chemin où toi tu veux prendre là, moi je connais ça avant toi. Là-bas, il y a un trou, lui il y a les crabes. Il faut passer par l'autre côté. Sinon, si tu passes tout droit, tu vas te faire mal. Et pour certains, on prenait acte de leurs paroles. D'autres ont compris vite. Et à ceux qui ont voulu tester la difficulté pour savoir si c'est réellement ça. Alors, mais pourquoi Billy Binzé était dans l'ancien régime d'Ali Bongo, à qui on a tout reproché, toute la terre. Aujourd'hui, il a été gracié par les propos du président de la transition qui a dit que tout ce qui s'est passé avant le 30 août, tout ça là est terminé, tout le monde est blanchi. Vous pensez que le président de la transition est assez nul, ou bien il était sous l'effet de la vodka et qu'il a sorti ces paroles-là? Parce qu'il sait bien que si on applique réellement une justice juste, lui-même il est trempé dans le fleuve et il va ressortir mouillé avec la culpabilité. Et si on appliquait la véritable justice, que la justice divine incarnée chez les hommes, c'est ça sera bête, moi qui serais bête premier ministre, Tata Huguette, Princesse Souba, qui encore? Il y a au moins Nawidje, Baneko en chef, Jonas Mwenda, et ça devait être dans le gouvernement. Alors, ça veut dire que Billy Binzé aussi, lui aussi, il est une personne qui est en train de dire que, ah, transition, vous voyez le chemin que vous êtes en train d'emprunter là. C'est le chemin auquel nous, on avait fait, et que vous, avant que vous ne soyez là, vous nous avez reproché plusieurs fois. Donc, moi qui étais là-bas avant vous, ne partez pas là-bas. Changez comme ça. Je vous reproche ça. Parce que si vous continuez à parler là-bas, on se encore à la même chose. Mais nombreux sont en train de dire, Billy Binzé, ferme ta bouche, tout sauf toi. Ah bon? Tout sauf lui. Sur quelle base vous dites tout sauf à l'école Billy Binzé? Je ne suis pas en train de le soutenir, mais soyons vrais. Est-ce que c'est pas un doyen en politique qui peut dire que là où vous partez là-bas, c'est pas bien? Pourquoi lui, il a pas le droit de parler, mais André Baobab a eu le droit de dire que, ah, pardon, mais nous, lui, on l'a accepté, vu qu'il s'est même présenté en tant que candidat en 2009, on l'a même voté. Bon, pourquoi nous n'avons pas aussi fait la même chose à André Baobab? Même quand il est venu se mettre à genoux avec un pseudo passeur qui est parti ramasser à sa solde là, mais pourquoi on n'a pas lancé à André Baobab les cailloux? Bon, pourquoi nous avons jusqu'à attendre le corps d'André Baobab, bien que les vices qu'il a commis par le passé, on pouvait dire qu'on s'en fout, tu mérites, parce que c'est ton type qui t'a tué. Pourquoi nous sommes allés à l'aéroport nombreux à prendre son corps jusqu'à l'accompagner, jusqu'à ça demeure, jusqu'à ce que Basile Vengon, Ali Bongo, avait souhaité de venir prendre le corps d'André Baobab. On a dit, si tu es tellement fou, ou bien si c'est le vin des pommes que tu as bu, tu n'as qu'à nous raser, nous tous, après tu prends le corps. Pourquoi nous sommes allés soutenir celui qui nous a frappé avant? Parce que le Gabonais est comme la météo. On change par rapport aux humeurs. Pourtant, là, il y avait trois candidats.
on pouvait dire que bon, on s'est apporté Obama, on pense seulement que tel gars, et on roule. Mais pourquoi on a juste fait le choix que bon, on va le voter massivement? Vous pensez que, avec l'expérience politique qu'Alain Colbert-Bizet a eue, et que les propos de 30 août, tout ce qui a été fait par le passé est blanchi, pourquoi vous n'acceptez pas que lui, il porte aussi un panier blanc, ou bien que c'est un nouveau-né? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on puisse le mettre dans le même panier que les nouveaux-nés politiques? Mais lui, non, pas les autres. Qui est propre là, papa, parmi vous tous? Même toi qui a été dit tout sauf toi. Tu as été par le passé aussi faible. Tu n'as pas aussi réagi comme moi en dénonçant. Face to face, tu t'es caché derrière les postes. 100% pour autant me montrer ton vrai visage. Mais nous, là, on a subi ça, on a fait ça. Donc arrêtez de dire que vous n'avez pas le droit de parler. Si vous faites ça, vous êtes aussi en train aussi de violer aussi une loi qui est normale, constitutionnellement reconnue à le monde, la liberté d'expression. Si vous dites que vous ne devez pas parler, alors mettons un vrai tribunal, où c'est rien que l'esprit de Dieu qui descend sur chaque personne qui va siéger, tout le monde sera trempé. Ça veut dire que même Oligisme lui-même, il va aller en prison. Béli Binze, en prison. Koué Bekale, en prison. Ntoumé Mal, en prison. Tout le monde en prison. Même celui qui est devenu aussi, le nouveau talent, perroquet, Mafoumi aussi va aller en prison. Parce qu'on va poser une simple question. Qui a tué les gens en 2009, en 2016? Venez maintenant, comme ça, c'est la justice de Dieu. C'est cet esprit ne ment pas. Quand ça va descendre, on va dire que bon, toi là, tu as tué, non? Non, je n'ai pas tué. Il dit, oh, moi je suis Dieu. Toi, tu as tué un peu, bon. Qui va diriger? Donc, il faut arrêter de faire souvent votre justice bizarre là. Allez, je suis en direct. Ouais. Je suis occupé. Non, arrêtez de faire votre justice que vous présentez de faire là. Béli Binze est bien placé pour dire que toi, tu as acheté les paillards, ce n'est pas bien. Donc, même moi là, si Béli Binze, je le croise là devant moi là, il passe. Même si dans sa tête, il va me reconnaître et puis il va trembler. S'il me dit mon petit bonsoir, il dit bonsoir monsieur Béli Binze. S'il y a les gâteaux, on mange. Parce que tout ce qui s'est passé avant le 30 août, tout a été effacé. Même moi, je me dis aussi encore d'être en prison pour ça que j'ai dit aller aux gens. Arrêtez de faire ce que j'ai de faire là. Voilà Kelly Ondo. Comme il vient de me rappeler, Edouard Stéphane Beleke. Pourquoi il ne libère pas Kelly Ondo? Bon, pourtant, le 30 août, tout est passé avant le 30 août. Mais pourquoi Kelly Ondo n'est pas impacté par la mesure? Après, vous êtes en train de parler de la justice. Et je vois un groupuscule du G9, les Français qui sont en train de faire aujourd'hui, parce qu'ils sont maintenant aux affaires. Parce que lorsqu'on était avant, janvier 2018, pourquoi que c'est le 7 janvier 2018, lorsque Kelly Ondo a pris après les choses en main avec ses potes, on a dit, oh, oui, il n'y a qu'un fan qui est fort, il n'y a qu'un fan. Bon, le même fan qu'on a mis en haut là, ils l'ont mis en prison. Voici maintenant un nouveau pouvoir, où c'est un enfant qui est d'un côté nordiste, un côté de l'est, du sud-est. Mais pourquoi maintenant vous quand même le pouvoir, vous qui avez des fans, vous dites que le Gabon est dirigé par les fans, pourquoi vous ne partez pas maintenant profiter de l'emprise sur Oligui de délivrer son frère fan, qui s'appelle Kelly Ondo? Kelly Ondo est si dangereux que ça. Il faut arrêter de faire les faits là. Donc, on va arrêter là à passer. Tout le monde a le droit de parler. Béli Binze aussi est blanc comme la neige. On roule. Téléphone aussi quand tu veux bloquer Mercon, chien.